Europe 1. Des scènes de liesse à Tel Aviv et dans plusieurs villes d'Israël après l'élimination du chef terroriste du Hamas, Yahya Sinwar, celui qui avait été l'architecte des massacres du 7 octobre. Le chef de la diplomatie israélienne a confirmé cette neutralisation il y a 20 minutes. L'armée également, il y a tout juste quelques minutes. Nous partons tout de suite à Tel Aviv rejoindre le correspondant d'Europe 1. Bonsoir Frédéric Simon. Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce qu'on n'en sait plus sur les circonstances de sa mort ? Oui, bien, c'est presque par hasard que l'homme le plus recherché par Israël a été éliminé. Des soldats opérant dans le sud de la bande de Gaza avaient repéré plusieurs Palestiniens en armes, retranchés dans un bâtiment. Les échanges de feu ont abouti à la mort de 4 terroristes. Découvrant les corps, les soldats ont réalisé que l'aspect de l'un d'entre eux rappelait celui du numéro 1 du Hamas. Avant même que les examens scientifiques ne confirment que celui qui était à l'initiative des massacres du 7 octobre 2023 était bel et bien mort, et bien des réactions de soulagement, de joie se faisaient entendre un petit peu partout en Israël. Il n'est pas là. Il attend. Alors la joie, mais aussi l'incertitude concernant les conséquences de l'événement sur le sort des 100 otages encore en main du Hamas. Aucun d'entre eux ne se trouvait aux côtés de Sinwar lorsqu'il a été tué, mais un sentiment d'urgence a saisi les Israéliens, conscients de la nécessité de tirer profit au plus vite de cette nouvelle donne pour négocier un accord sur la libération des otages dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 en direct de Tel Aviv.